heard you a snitch. Nigga, be quiet, cause you could get bitch. I keep a chopper, it's loaded. Humble the rose, got my name on the curtain. Fucking your thought, and I do that for certain. And I stay clean like detergent. Popping on Zannies and popping on Perky. Burn up on me, you get cut like a turkey. I just put this bitch inside of Billy. Je viens de créer le même pattern, donc enfin le même pattern. Je viens de créer ça, qui est exactement la même chose que ça, c'est la même dimension, c'est tout pareil. Et du coup vous allez vous rendre dans vos fichiers. Vous allez choisir un render ou une photo de vous choqué, par exemple si vous jouez famille et jupiter clic, enfin vous avez compris. Donc vous allez choisir le render ou la photo qui vous plaît. Moi je pense que je vais partir sur un personnage de Death Note ou de Tokyo Ghoul. Voilà, on va prendre lui. Donc vous allez l'importer sur votre calque. Vous allez l'agrandir histoire de créer, hop, juste ici, une séparation. Donc vous voyez que les deux parties ne se touchent en aucun cas. Du coup vous allez recliquer sur la photo juste ici, juste pour enlever les fichiers bleus. Vous allez pixeliser le calque et du coup bah, si vous avez une signature ici, vous la gommez. Vous allez créer un nouveau calque et là vous allez soit prendre le lasso si vous voulez faire des contours d'image un peu déchirés comme ça. Voilà, j'ai fait un truc un peu gros mais vous avez compris. Soit vous allez prendre la sélection carrée et donc vous allez vous faire un contour comme ça. Tac. Et là vous allez faire clic droit, intervertir. Maintenant, vous allez prendre juste ici votre gomme. Pas votre gomme, pardon, vous allez prendre votre pinceau. Du coup, voilà, une fois que c'est fait, vous reprenez le lasso si vous avez fait avec le lasso ou le rectangle que vous avez fait avec. Et vous avez deux choix à ce moment-là, c'est soit vos bandes blanches passent au-dessus du personnage, soit hop, en dessous et votre personnage reste comme ça. Moi je pense que je vais plus partir sur ça. Après, pour ma miniature, je vais mettre trois images ici et là je vais mettre juste une grande image. Donc pour faire ça, vous allez soit reprendre le lasso et vous faites ça, voilà, vous faites une sorte de bordure comme ça, bon bien sûr vous faites plus fin. Soit vous allez prendre ça si vous voulez que ça reste carré. Moi je vais rester sur ça. Je vais tirer un trait juste là. Tac. Vous allez faire la même chose, donc vous prenez votre pinceau et là cette fois il n'y a juste pas besoin d'intervertir, vous laissez juste comme ça. Alors je viens de choisir l'image, maintenant vous allez la déposer où vous le souhaitez, donc vous pouvez l'agrandir si ça va pas. Hop, donc pour ma part je vais l'agrandir, vous la calez où vous voulez. Moi j'ai choisi un personnage de Demon Slayer. Après vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrétage et vous allez le glisser juste en dessous. Après donc vous le glissez en dessous de vos bandes blanches. Maintenant vous choisissez votre gomme, vous faites pixeliser le calque, donc si vous faites juste clic droit comme si vous vouliez gommer, clic gauche pardon, vous choisissez votre taille et là vous gommez ici, vous faites CTRL Z pour faire retour si vous avez fait une erreur comme je viens de faire. Donc là vous avez votre première partie. Ici on va mettre une image plutôt portrait. Donc on va aller, je ne sais plus où je les ai mis, ça doit être ici. Donc voilà, maintenant que l'image est là, vous allez juste là, vous pixeliser le calque et vous enlever tout ce qui ne vous intéresse pas. Du coup, tout ça,
on peut l'enlever. Hop. Pardon. Voilà. Et là, maintenant, vous vous dites, ouais, mais là, ça va pas, on voit pas les contours blancs, ni rien. Vous allez sur votre calque, juste ici. Bien sûr, vos calques, vous pouvez leur donner des noms. Moi, je leur donne pas de noms parce que j'ai, je le fais jamais. Mais c'est mieux pour s'organiser. Vous pouvez aussi créer des groupes. Donc là, vous allez aller dans ombre portée. Je rappelle qu'on est bien dans les contours blancs. Maintenant, vous allez mettre ici 10. Et vous mettez bien la couleur en noir. Et vous le mettez bien en normal. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Si vous voulez mettre 20 comme ça, vous pouvez aussi. 20, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Donc, vous voyez, déjà, ça vient créer un certain contraste sur les bords. Et ça ressort un peu plus. Maintenant, vous allez aller sur votre photo de vous ou votre personnage principal. Vous allez aller dans contour, juste ici. Et du coup, là, vous voyez qu'il y a un contour blanc qui s'est créé. Vous pouvez l'adapter. Donc la taille, c'est juste ici. Vous faites 20 si vous voulez mettre 20. Moi, pour ma part, je pense que je vais mettre 15. Voilà, 15, c'est bien. Et vous allez dans ombre portée. Et du coup, vous voyez que là, ça en a mis une. Bon, on la voit pas bien, justement. Il faut l'augmenter. Donc, vous allez dans taille. Et vous choisissez. Vous allez de dizaine en dizaine jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà. Moi, 50, je pense que ça me va. On fait OK. Et donc là, déjà, ça crée un certain contraste. Maintenant, vous allez remplir ça. Remplir ça, voilà. Alors maintenant, on va mettre un texte. Donc vous allez aller sur le calque juste ici, le calque qui correspond à vos contours blancs. Avec d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais avec cela, vous pouvez faire contrôle et vous les sélectionnez tous. Vous faites clic droit et vous faites alors groupe d'après calque. Voilà, juste ici. Vous le nommez image. Là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre bleu. Et là, vous faites OK. Et vous voyez, ça vous a créé un groupe avec du coup vos images dedans. Voilà, c'est juste pour mieux s'organiser ici, pour que ça fasse mon plan. Donc, vous allez aller ici. Vous faites ici, le petit icône ici. Hop, ça vous a créé un calque. Maintenant, vous allez aller dans texte. Vous allez choisir le texte, s'il vous plaît. Il faut juste que ça charge, s'il te plaît. Maintenant, vous allez choisir la police Primetime. Donc, c'est juste celle-ci. Vous cliquez là où vous voulez la mettre. Moi, je vais la mettre ici et je vais marquer comment. Oula, pourquoi c'est en rouge? Ah oui. Donc, pardon. On va prendre la police d'écriture blanche. Donc, vous voyez, là, on est sur du blanc. C'est parce que j'avais laissé en rouge ici. Et là, vous allez marquer comment faire. Voilà. Après, pour le déplacer, vous faites CTRL et vous restez appuyé pour la déplacer. Pareil pour l'agrandir, CTRL et vous mettez la taille que vous voulez. Là, pour l'instant, on n'y voit pas, c'est normal, c'est blanc. On va y changer, on va changer ça après. Donc voilà. Après, vous descendez ici et vous allez marquer une belle. Voilà. CTRL, déplacer, agrandir. Vous mettez juste ici. Et voilà, maintenant vous allez faire double clic, pardon, donc sur le premier titre, et vous faites contour. Vous faites pas contour, vous allez dans, s'il te plaît, incrustation en dégradé. Et là vous allez faire contrôle J pour le dupliquer. Et là, ça va directement vous mettre sur la copie. Et vous appuyez deux fois sur la petite flèche de votre clavier. Vous faites CTRL et vous appuyez deux fois sur la petite flèche de votre clavier. Et vous le passez en dessous du premier texte. Voilà. Après, vous allez réitérer la même chose. Donc là, vous avez déjà une belle miniature. Après, vous pouvez apporter d'autres choses comme des effets, par exemple de flammes sur les bords si vous aimez bien. Moi, là, elle me convient. Donc vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et là, vous allez mettre le titre que vous voulez. Donc j'ai marqué tuto
miniature. Vous allez enregistrer. Voilà. Donc là, vous avez enregistré le projet sous cette forme, donc avec tous les calques et tout, et vous pourrez le réouvrir après. Maintenant, vous allez faire re-enregistrer sous. Et cette fois, vous allez cliquer ici dans type et vous allez le passer en JPEG. Et du coup, vous aurez uniquement l'image. Donc, vous le faites enregistrer. Vous faites enregistrer en qualité maximale. Sinon, c'est pas beau. Vous mettez qualité 12. Voilà. Vous faites OK. Donc voilà, la miniature est enregistrée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé encore pour le bruit de fond. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé quand même. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les gars.